baba tokolo wa la le a fi ayi na gozi ahage ni na mo ni te wa aye kin se pe je olorun to tobi ni kan ibo na aye baba wa nipa ira pada nipa iseda en leni wa is ta wa aye iwe aye I asim gbadura wi pe ni lo gbogbo na iye ni le ti lo kan iju pora e bi ale ba iju pora e bi ale ba iju me ju ra ni ha ni le Oluwa e mu gbogbo se ni orukọ Jesus na bale a ni le pepere no ku gi aho ge mi kuni mo bi a ni le na kankan kan me ka iwo to ku gi nyera nya ka itinye oku gi ni le na ndo ai ni le na ha Jesus eni kankan wa lorukọ Jesus e mu atesi waju e mu wa lo si bi giga ka tesi waju Yeni ile bo ganiru siwaju atayin wa ane mo ates lodun ni oruko Jesu a fe bukun foruko en so pa pe ti dahun ni oruko Jesu ni agbadura ki olorun ko bukun ele joko lale yi a wa se ko ti kini ori kefa an wa se ikejila titi de ese ogun o sin je ese ti opopolopo ninu wa mo gege bi onigbagbo pe agbara oluwa yo farahan ninu aye re loruko Jesu In the current in Cambodia, ECC. All things are lawful. 1 Corinthiens 6, nous lisons le verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne. Tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, tout n'est pas profitable. Tout n'est pas profitable. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Arrêtons-nous un peu. Comme l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens numéro 1, il écrivait en tant que père, il écrivait en tant qu'apôtre, il écrivait en tant que proclamateur de la plénitude de l'évangile et disait en tant que père que toute chose, que tout m'est permis. Il y a des choses qui sont permises à un père de faire. Mais lorsque vous élevez les enfants, ces choses, vous pourriez les faire qui ne sont pas iniques, qui ne sont pas nuisibles, mais vous pourriez ne pas les faire parce que vos enfants, de la façon dont les enfants sont élevés, les enfants apprennent par exemple au lieu de vos paroles. En tant que mère, il y a des choses qui sont permissive, des choses qui sont permises à faire, mais vous n'allez pas vouloir faire ces choses ou bien dire ou parler d'une manière parce que vos enfants sont là et parce que vous élevez ces enfants-là. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. L'apôtre Paul s'est vu comme un soldat de la croix. Il voudrait gagner des territoires pour le Seigneur. Il savait cela qu'en tant que soldat, il y a des aliments qu'on peut manger qui ne sont pas nuisibles au corps, mais qui alourdissent le corps, qui rend l'homme mou et qui fait que l'homme ne sera pas en mesure de courir tel que cela se doit. Il dit que tous ces aliments me sont utiles. Je peux les manger sans que je pêche, mais tout cela ne m'est pas utile. Et l'apôtre a parlé à Timothée disant que efforce-toi de te montrer comme un homme éprouvé par Dieu. Vous voyez, en tant qu'étudiant ou élève collégien qui s'apprête pour un examen, il y a des choses que quand il mange, il va s'endormir facilement, quoique ces choses ne soient pas lisibles, ce sont des choses normales, il ne prend pas de l'alcool ou de la bière, mais vous savez
il y a des choses que, qui vont retarder votre progrès. En tant qu'étudiant et ou bien collégien, élève, et nous, en tant qu'apprenant étudiant de la Bible, nous pouvons dire que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des pèlerins, nous sommes en voyage. Et comme nous voyageons, nous devons modérer les fardeaux que nos bagages. Parce que si ces bagages nous appesantissent, nous ne serons pas en mesure de marcher constamment, de marcher de façon libre et faire tout ce que nous devons faire et parvenir à notre destination au point nommé. Donc, en tant que pèlerin, nous disons que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, tout m'est utile, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ce qu'il voudrait dire, c'est que lorsque vous venez sous le pouvoir d'une chose, c'est-à-dire peut-être les gens qui se blessent à s'intoxiquer, à prendre des drogues, des stimulants, cela devient une accoutumance. Pour s'en délivrer, lorsque la chose les délivre, parce que c'est difficile, et ils soient amenés sous le pouvoir de ce stimulant. Et c'est très facile de former une habitude, mais c'est difficile de délaisser, de rompre cette habitude. Donc, quand vous voyez votre vie cette année, vous allez dire, mais est-ce que je peux faire cela? Est-ce que je peux dire cela? Est-ce que je peux agir de cette manière? Est-ce que je suis permis de faire comme ça? Il y a des gens qui vont dire qu'après tout ça, ce n'est pas un péché. Il se peut que ce ne soit pas un péché. Mais cela vous amène sous le pouvoir, sous la domination de cette chose. Donc, vous deviendrez incapable. Vous deviendrez faible. Et votre vie n'est plus une vie bonne parce que nous avons un lieu à aller, nous avons une destination devant nous. C'est pourquoi, comme nous venons aujourd'hui à l'étude biblique, et voici notre première étude biblique, et j'ai un objectif, et j'ai une idée, j'ai un lieu où je vais, j'ai quelque chose que je veux réaliser pour votre vie personnelle, pour votre famille, pour le ministère, pour la vie que vous menez ici sur terre. Vous allez vouloir examiner chaque aspect de votre vie. Et vous dites, ouais, je sais que cela est permis. Je sais que cela n'est pas contre la sainteté. Mais je ne peux pas manger tous les aliments qui sont disponibles. Cela va me détruire. Je ne peux pas sinon regarder tout ce qu'on voit. Et puis je ne peux pas passer toute la nuit à surfer l'internet. Cela va détruire ma vie. Alors tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc comme nous voyons ces versets que nous allons étudier cette nuit jusqu'au verset 20, vous allez découvrir un mot très important, c'est-à-dire le corps. Voilà le verset 13, qui dit, les aliments sont pour le ventre, ou que le ventre plutôt, le ventre et pour les aliments, le mot ventre plutôt, et Dieu détruira l'un comme les autres. Le corps, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Vous allez voir, il y a le corps mentionné là-bas. Votre corps est très important, vos mains, vos pieds, et vos organes intérieurs, vos yeux, vos oreilles, ce que vous faites avec tout cela, c'est très important. Au verset 15, le corps est mentionné là-bas. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrez-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Que quelqu'un mette à crier loin de là. Verset 16. Nous voyons ce passage et nous voyons l'importance. Nous voyons la présence du corps presque dans chaque verset. Verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Et 18 dit, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette,
et quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Parce que le jugement vient et les répercussions viendront, les conséquences viendront, et ces conséquences de cet acte immoral va peser, va appesantir le corps, l'âme, le corps, l'esprit, et cela peut introduire des maladies dans le corps. Verset 19, rappelez-vous qu'on voit la présence du corps dans tous les versets. Verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? C'est dit que le Saint-Esprit demeure en vous. Il habite en vous, comme vous venez au temple, à l'édifice de l'église pour adorer. Donc, c'est ainsi que le Saint-Esprit demeure en vous, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est dit que par création, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a créé, Dieu vous a fait, par rédemption, vous n'êtes pas à vous-même. Alors, Dieu vous a racheté. Il vous a acquis, il vous a racheté à part un grand prix. Il s'est dit que vous ne vous appartenez pas. Voici maintenant la conclusion de tout comme nous pensons à notre corps, quand nous pensons à ce qu'on fait avec le corps. Et verset 20 nous dit que vous avez été racheté à un grand prix. Voici la conclusion, tous les pas que vous faites, voici la conclusion, tout ce que vous mettez dans votre bouche, voici la conclusion, tout ce que vous regardez, ce que vous visualisez, voici la conclusion, tout ce que vous planifiez, vous faites avec le corps de vos, les membres de votre corps, voici la conclusion. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Vous portez ce corps partout. Et aussi longtemps que vous portez ce corps, que ce soit à l'église, que ce soit hors de l'église, vous êtes avec votre corps, que ce soit avec les membres de votre famille, ou avec les étrangers, vous associez, vous êtes attaché à votre corps à tout moment, et c'est dit en toutes choses, à tout moment, partout, en toutes choses, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ouais, l'apôtre a dit que qui appartiennent à Dieu, et je prie que le Seigneur vous donne la grâce, la force à tout moment, chaque jour et à chaque moment cette année et dans toutes les circonstances, que vous ameniez gloire à Dieu. Comme vous glorifiez Dieu, le Seigneur vous bénira au-delà de votre imagination au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir 3 points dans le message aujourd'hui. Numéro 1, nous voyons le privilège d'appartenir au Seigneur, pour comprendre que vous n'êtes pas étranger, à comprendre que vous n'êtes pas simplement quelqu'un, un clochard qui marche dans la rue. Au fait, vous appartenez au Seigneur. Le privilège d'appartenir au Seigneur. Numéro 2, c'est la préservation du croyant pour le Seigneur. La préservation du croyant pour le Seigneur. Alors, ce mot préservation veut dire vous restez vivant. Ouais, il y a des gens qui sont très, très précautionneux. C'est que je suis ici pour un objectif et cet objectif doit être atteint. Que ma vie doit être préservée pour cet objectif défini. J'ai appris d'une mère qui a un enfant. Et elle-même, après avoir donné naissance à cet enfant, avait une maladie meurtrière. Mais le père n'était pas vivant. Et elle était la seule personne à prendre soin de l'enfant. Et elle a décidé que l'éducation qu'elle n'a pas reçue dans sa vie, que cet enfant jeune, l'enfant qui n'avait pas commencé l'école primaire, que l'enfant ne va pas venir à ce niveau. Mais à cause de cela,
elle a pris soin d'elle-même. À cause de cela, elle a gardé sa, tout pour garder pour sa santé. Elle a résisté à toutes les pensées que voici une maladie et meurtrière. Elle est restée vivante selon l'objectif qu'elle a, voudrant que l'enfant la soit bien instruit, parce qu'elle savait que si elle était morte, que l'enfant là n'aura pas de valeur dans la vie. La même chose que vous pensez qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire, il y a quelque chose que Dieu veut réaliser. Et votre vie est une vie d'objectif. Votre vie est fixée sur le ciel. Et le ciel dépend de vous. Que cette chose que Dieu veut, que la chose qu'il veut faire, que la chose la soit faite. Et vous, vous en tant que croyant, la vie que vous avez en tant que serviteur de Dieu, vous allez vouloir que votre vie soit préservée pour le Seigneur. N'allez pas sauter à vous plonger dans quelque chose qui vous détruise. Vous n'allez pas vous plonger dans quelque chose qui va couper votre vie. Votre vie sera préservée pour votre famille. Votre vie sera préservée pour le Seigneur. Votre vie sera préservée. Chaque fois, il faut penser combien vous êtes précieux, combien vous êtes important et combien vous êtes significatif dans le royaume de Dieu. Et Dieu a besoin de vous, parce qu'il a besoin de vous, il veut vous préserver pour lui-même. Vous êtes préservé au nom de Jésus-Christ. Numéro 3, c'est le rachat de notre corps par le Seigneur. Le rachat de notre corps par le Seigneur. Il y a des gens que normalement, quand ils parlent, ils disent que je suis rien, et que je ne suis pas important. Ils disent que si je ne suis pas là, une autre personne va facilement faire cela. Mais tu ne vas pas au marché, tu ne vas pas sinon au supermarché, et puis avec une grande somme d'argent pour acheter quelque chose qui soit inutile. Si tu es un homme, toi en tant qu'homme, que tu ne vas pas aller acheter quelque chose d'inutile, quelque chose de non-valeur, et le Dieu Tout-Puissant. Alors il a payé un grand prix pour racheter, pour vous acquérir, parce que vous êtes important devant lui. Le rachat de notre corps par le Seigneur. Je prie que la même valeur que Dieu a misée sur vous soit misée sur vous-même, et l'honneur que Dieu a mis sur vous, que vous vous donniez ce même honneur au nom de Jésus-Christ. Vous êtes important. Cette année, vous allez servir le Seigneur et Dieu va vous bénir abondamment au nom de Jésus-Christ. Allons au premier point maintenant. Premier point, c'est le privilège d'appartenir au Seigneur. Le privilège d'appartenir au Seigneur. Et lisons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Le verset 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Ce que cela dit, c'est que finalement, tout homme qui vient dans ce monde mourra après que vous aurez vécu, après que vous aurez tout ce que Dieu veut que vous fassiez, tous les aliments que vous prenez, tout s'en ira dans le tombeau, même le corps même s'en ira. Et il s'est dit maintenant que, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Le corps n'est pas pour l'immoralité ou pour l'iniquité, mais pour les actes charnels. Mais le corps est totalement pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et c'est dit au verset 14 qui dit, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, alors regardez ceci, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Vous n'allez pas rater cette résurrection au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, c'est la restriction et l'abnégation en son image.
Nous voulons avoir son image. Nous voulons avoir sa ressemblance. Nous voulons être comme lui. À cause de cela, il y a une restriction. À cause de cela, il y a l'abnégation. Un sacrifice de soi-même. Parce qu'on veut voir, on veut avoir sa ressemblance. Deux, c'est la rétribution pour les sensuels. Enfin, en fin de compte, il y aura une rétribution, un jugement pour ceux qui ont utilisé votre vie, un bien qui appartient au Seigneur. Ils l'ont abusé de façon mauvaise. La rétribution, la conséquence pour cela. Et toi, c'est la résurrection des saints comme celle du Seigneur. Comme la résurrection du Seigneur, alors lui aussi nous ressuscitera. Ouais, le numéro 1 ici, c'est la rétribution et l'abnégation en son image. Nous avons lu chapitre 6, verset 12. Vous savez ce qui est déjà là. Voyons maintenant chapitre 10, 1 Corinthiens 10, lisons le verset 23. Verset 23 nous parle de ceci encore, 1 Corinthiens chapitre 10. Et le verset 23 nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Qu'est-ce que cela veut dire? L'apôtre Paul dit, en tant qu'apôtre, en tant que dirigeant, je peux me donner la liberté, parce que l'apôtre Paul n'était pas un homme marié, il s'est carrément consacré à l'évangélisation de son monde. Et il pouvait travailler avec des sœurs dans la communion, sans commettre le péché, sans faire quelque chose de mauvais. Mais il a dit, quoi que cela soit utile, oui, les gens qui le voient comme ça ne vont pas savoir ce qui se passe. Alors, derrière le rideau, donc il a dit, je ne vais pas faire cela. Je connais ses faces, je connais Pierre. Oui, il va avec sa femme, il est marié. Moi, je ne suis pas marié, donc je ne vais pas faire cela. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Toutes les fois que vous voulez faire quelque chose, vous devez considérer pour ne pas dire que après tout ce n'est pas péché. Après tout, tel frère fait cela. Après tout, je ne commets pas le péché. Je me connais moi-même. Oui, vous vous connaissez, mais comment cela est-il utile? Alors, comment cela est-il nécessaire? Comment cela est-il convenable? Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout ce qui ne va pas édifier votre frère, ne va pas édifier votre soeur, votre frère, les membres de la famille, tout ce que vous faites, que votre mari vous soupçonnera que pourquoi ma femme agit de cette manière, quoi que vous sachiez que dans votre conscience, vous ne faites rien de mauvais, si vous permettez à la hausse au soupçon, la chose là ne va pas édifier. Au lieu que votre femme se concentre sur le progrès dans cette nouvelle année, votre femme pense que qu'est-ce que mon mari fait, pourquoi il a voyagé, il ne va pas nous visiter dans la famille. Quoi que vous le fassiez, quelque chose de mauvais là où vous êtes, vous n'édifiez pas les membres de votre famille. Il veut qu'on édifie tout le monde autour de nous. Voilà le verset 24 qui dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Faut pas chercher seulement votre bonheur. Je suis content de ce que je fais, je suis satisfait de ce que je fais, je me sens en bonne forme. Pas seulement votre sentiment. Comment cela affecte votre frère? Comment cela affecte votre sœur? Alors, il veut non seulement chercher notre intérêt, mais de chercher le bonheur des autres, la joie des autres, la santé des autres, le progrès des autres.
Et lorsque les autres s'engagent et se concentrent d'être comme ça, alors faut pas être cela personne qui va verser de l'eau sur leur feu et éteindre leur feu et toute la ferveur qu'ils ont. Après tout, pourquoi je cours très vite comme ça? Après tout, je ne suis pas apprécié. Ceci n'arrive pas. Ceci n'arrive pas. Cette année, vous serez un encouragement pour tout le monde autour de vous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Ici il dit, mais je traite durement mon corps. Vous comprenez cela? Si vous avez un petit enfant à la maison et que l'enfant ne connaît rien de COVID-19, il ne connaît rien de la pandémie, il veut sortir, aller se mélanger avec d'autres enfants et jouer au ballon, faire ceci et cela. Vous gardez l'enfant là sous contrôle pour un objectif. Lorsque vous avez un élève qui ne comprend pas que cet examen, est très important, lui dit que c'est un petit examen, il ne sait pas qu'il doit étudier pour chaque examen, pour chaque composition, parce que un petit succès va conduire à la victoire finale. L'enfant ne sait pas. C'est vous qui devez mettre l'enfant sous contrôle pour l'éduquer et étudier maintenant, parce que si tu as une bonne moyenne maintenant, alors cela va te faire avancer. Tu auras une bonne moyenne à la fin. C'est la même chose. Alors qu'est-ce que... Il nous parle de la rétribution pour l'essentiel. Enfin, il y a des gens qui croient que tout ce que le cœur demande, c'est ce qu'on va donner au corps. En ce temps d'année, ils croient que s'il y a des choses à boire, ils boivent. S'ils doivent aller à la boîte de nuit, ils vont. S'ils doivent participer à la surprise partie, ils font cela. Tout ce qui vient dans leur passé, c'est ce qu'ils font. Ils croient que c'est leur liberté. Il y a des gens qui nous disent qu'ils sont nés de nouveau. Ils disent que ce n'est pas la grâce. Cela n'importe pas ce que je fais, mais cela importe ce que vous faites. Et cela affecte votre vie, cela affecte votre progrès, cela affecte votre famille. Vous pourrez faire des choses qui vous feront regretter le reste de votre vie. Le Seigneur vous pardonnera, mais les stigmates et que vous aurez le cœur brisé, alors ces choses-là vont rester avec vous. Toutes les fois que vous vous rappellerez, vous direz que mais si je ne suis pas allé faire cela, où serais-je aujourd'hui? S'il vous plaît, comprenez qu'il y a la conséquence pour chaque acte. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Si vous semez l'imprudence, qu'allez-vous moissonner? Si vous semez le péché et l'indulgence, qu'allez-vous moissonner? Comprenez la loi de la causalité. Semer et moissonner affecte tout le monde. Si quelqu'un est né de nouveau, il sème du maïs, il moissonnera du moisson. L'inconverti qui sème le maïs va moissonner le maïs. Ce n'est pas dire que je suis né de nouveau, parce que je suis né de nouveau, je peux semer n'importe quoi.
parce que je suis né de nouveau, je peux aller partout. La grâce couvre tout. Il y a la rétribution pour les gens sensuels à la fin. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, à la fin que il y a les aliments pour le. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que ouais, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Mais le corps du le ventre du le ventre ou le corps du croyant en particulier, ouais, Dieu n'a pas créé le corps pour la fornication. Dieu a créé le corps des incroyants pour de bonnes choses. Et maintenant, vous êtes enfant de Dieu. Votre corps n'est pas pour la fornication, mais c'est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Je veux que vous voyez maintenant, voyons, Jude 12 nous parle de la conséquence, c'est-à-dire des rétributions. Qui dit ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes, ils sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Je prie que vous n'écumiez aucune impureté au nom de Jésus-Christ. Des êtres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Qu'est-ce qu'il viendra faire? 15. Pour exercer un jugement contre tout et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Verset 16 nous dit que ce sont des gens qui murmurent. Cette année, vous n'allez pas murmurer. Vous comprenez? Quand vous comprenez l'affaire de Mimu, parfois si le soleil brille, il y a la chaleur, alors vous ne pouvez pas murmurer parce que vous ne pouvez pas aller en haut là-bas pour dire au soleil. Quoi que vous soyez ici, vous ne pouvez pas murmurer contre le soleil. Parfois, la lune ne brille pas bien, mais vous ne pouvez pas murmurer contre la lune. Parfois, quand il pleut et le sol est mouillé, alors on ne peut pas sinon murmurer contre cela, parce que ce n'est pas fait par un homme. Si vous pouvez transférer, changer votre attitude envers le soleil, la lune, la loi de la gravité, on jette quelque chose en haut, la chose tombe, on ne se plaint pas. Alors, c'est comme ça. Vous comprenez que le pécheur est un pécheur. Vous voyez? Parce que s'il n'est pas pécheur, il ne va pas pécher. Le pécheur va continuer de pécher. Le nageur va continuer de nager. L'athlète va courir. Alors, vous comprenez, si le pécheur fait quelque chose, c'est ce qu'il va faire. Comme vous ne murmurez pas contre le soleil ou la lune, vous n'allez pas sinon murmurer contre le pécheur qui démontre sa nature. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est de prier. Donc, si les situations se présentent autour de vous cette année, comprenez que je ne peux pas contrôler son acte, je ne peux pas contrôler ses paroles. C'est la façon dont il est. C'est la façon dont il pense, le fait agir de cette manière. Je ne vais pas murmurer. Donc, ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous ne murmurez pas contre cela. C'est votre vie que vous pouvez contrôler. C'est votre réponse que vous pouvez contrôler. C'est votre acte que vous pouvez contrôler. C'est votre voyage. Et c'est votre vitesse que vous pouvez contrôler. Alors, ce sont les choses que vous pouvez contrôler. Mais laissez les autres. Ne murmurez pas contre quelqu'un ou contre quelque chose. Mais vous voyez les gens et qui seront rétribués
ils murmurent, ils se plaignent de tout, et ils agissent selon leur convoitise, et leur bouche disent de grandes choses, et qui ont à la bouche des paroles hautaines qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Verset 18. Ils vous disent, ils vous disaient qu'au dernier temps, ils sont des gens, ils n'ont pas l'esprit, ils sont des gens sensuels. Je prie que vous ne soyez pas comme eux au nom de Jésus-Christ. Et numéro 3 ici, nous avons la résurrection des saints comme celle du Seigneur. 1 Corinthiens 6, 14. Car Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. La même puissance qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, cette même puissante sens agira dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alors, il nous ressuscitera au temps approprié au nom de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. 15 dit, voici en effet ce que nous vous disons, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas, ne précéderons pas ceux qui sont morts. 16 dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Y a-t-il un amen de l'Église? Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons, ainsi je serai, ainsi vous serez, ainsi toute votre famille, ainsi nous serons toujours, toujours avec le Seigneur. Vous allez expérimenter cela au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 18. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres. Faut pas déranger les uns les autres, faut pas taquiner les uns les autres, faut pas soupçonner, faut vous sonner celui-ci et celui-là. Alors, si quelqu'un qui traverse une situation turbulente, faut pas ajouter au problème comme les amis de Job qui l'ont découragé, qui l'ont dit des choses pour que Job dise que pourquoi je vis, parce que personne ne me comprenne, on dit que je suis rétrograde. Faut pas vous confondre les uns les autres, mais c'est dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je prie que le Seigneur vous donne une parole de consolation, le mari à la femme, la femme au mari, les enfants aux parents, les parents aux enfants, les membres de la famille, les uns envers les autres. Alors vous allez vous conforter les uns les autres avec des paroles gracieuses au nom de Jésus-Christ. Nous allons au deuxième point maintenant. Deuxième point, c'est la préservation du croyant pour le Seigneur. Voyons en 1 Corinthiens chapitre 6 et nous lisons à partir du verset 15. 1 Corinthiens 6, voyons le verset 15 qui dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Arrêtons-nous un peu. Est-ce que nous reconnaissons que l'Écriture a dit que nos corps sont des membres de Christ? Qu'est-ce que cela veut dire? Comme votre main est un membre de votre corps, vous, la totalité de votre personne, vous êtes un membre de Christ. Si votre main est blessée, vous prenez soin de cette main. Si vous êtes blessé parce que vous êtes membre du corps de Christ, Christ prendra soin de vous. Lorsque votre dent mordit ou mord la langue,
vous n'enlevez pas la langue, la dent. Si vous faites cela, tout le monde, vous allez ôter toutes les dents, vous serez édenté, vous deviendrez sans dents. Mais tout ce qui arrive par accident, vous n'allez pas sinon prendre le marteau, casser la dent, l'enlever. Vous êtes un membre du corps de Christ. Il prend soin de vous. Parfois, par inadvertance, vous allez faire quelque chose. Alors, il y a des gens, ils vont dire que je ne suis plus à Dieu parce que, oui, que je ne veux pas faire la chose là. Et la chose là est arrivée. Le Seigneur ne rejette pas ses membres facilement comme ça. Il va vous protéger, va vous préserver tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit que, et prendrai-je donc les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ? Vous voyez, des gens qui vont dire qu'il me pousse à le faire, il me fait faire ça. C'est toi qui as pris ton corps, et toi qui as pris tes membres dans cette pollution. C'est toi qui l'as fait. Personne ne t'a poussé à faire quelque chose. Okay? Les gens peuvent agir de n'importe quelle manière, mais personne ne t'a poussé à faire quelque chose. C'est toi qui l'as fait. Avant de faire quelque chose, c'est toi qui es au contrôle. Tu es au contrôle de ton corps, tu es au contrôle de ta vie. Personne ne peut t'énerver sans ta propre permission. Personne ne peut te rendre sinon un homme cupide, et personne ne peut t'attirer au péché sans ta permission. Et c'est dit, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Quelle est la réponse là-bas? Pourrais-je vous entendre? Quelle est la réponse? Loin de là. Oui. Dieu va ôter toutes choses négatives de votre vie au nom de Jésus-Christ. Et, trois points ici. La convoitise interdite et l'attachement au perdu. Et, deux. L'amour fidèle en s'attachant au Seigneur. 3. La première leçon pour les vainqueurs après la libération. Numéro 1 ici, c'est la convoitise interdite et l'attachement au perdu. Et c'est dit ici, et dit, prendrai-je donc les membres de Christ? Dois-je me prendre et me jeter à la convoitise et me jeter dans le trou, à Dieu ne plaise? Votre vie est précieuse, vous serez précautionneux à tout moment. Le diable ne peut pas vous pousser à faire quelque chose. Il peut suggérer, il peut dire, pourquoi ne pas faire cela? Mais tu vas dire, loin de là. Que quelqu'un m'aide à crier, loin de là. Vous n'allez pas permettre à cela dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons 1 Corinthiens chapitre 10. Nous lisons le verset 5. La raison pour laquelle on refuse de prendre notre vie et jeter notre vie à la fornication, au mal. 1 Corinthiens 10, verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait un bon plan, un grand plan. Et il a dit qu'il voudrait faire d'eux un royaume de rois. Il veut faire d'eux un peuple acquis, particulier, spécial. Il veut faire d'eux les gens les plus élevés sur la terre. Que toute la terre m'appartient, mais vous me serez spécial. Alors eux-mêmes se sont entraînés dans la boue, dans la vallée, et Dieu n'était pas content. Et comme Dieu a une bonne intention pour vous, un bon projet pour vous, il veut vous promouvoir, il veut vous faire asseoir au même lieu, dans les lieux célestes avec Christ Jésus-Christ. Je prie que vous ne vous entraîniez pas dans la boue et dans la vallée au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'était pas content. Il s'est dit que... Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu.
Ouais, la vie est regorgée d'exemples et quelqu'un va devant vous et comme il allait, il va d'emblée, la personne fait votre face. Vous regardez et la personne, qu'est-ce qui se passe? Il dit que un danger, un danger, on détruit la vie. C'est pourquoi je fais votre face. C'est un exemple. Et si la personne fait déjà votre face, vous aussi, n'allez pas dire que je vais aller là moi-même, je vais voir la chose moi-même. Lorsque je vois la chose, donc je vais savoir si le danger est là. Vous pourrez ne pas vivre pour raconter l'histoire. C'est la raison pour laquelle on voit les gens qui nous ont précédés, on voit leur chute, on voit leur piège, on voit ce qui les a détruits. On dit que c'est un exemple. Je ne vais pas suivre cet exemple. Vous n'allez pas mourir la mort des autres au nom de Jésus-Christ. Pour l'objectif, que, et, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis il se levait pour se divertir. Quelle était la conséquence de cela? Leur nom était ôté du livre de vie. Même lorsque Moïse a supplié, lorsque Moïse a dit que si tu ne vas pas les pardonner, ôte mon nom de ton livre que tu as écrit. Dieu a dit, ce sont ceux qui ont péché contre moi, ceux qui s'étaient plongés dans l'idolâtrie, ceux qui ont dit que voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir de l'Égypte, et sont ces gens-là que j'ôterai de mon livre que j'ai écrit. Parce que la chose leur était arrivée comme ça, nous ne voulons pas que cela nous arrive, nous ne voulons pas faire ce qu'ils ont fait. Voilà le verset 8. 8 dit, ne nous livrons point à l'impudicité. Ne nous livrons point à l'impudicité. Voilà ce que cela dit. Cela a encore mis la décision dans notre main. Et que ne nous livrons pas. Ne nous livrons point. Lorsque vous laissez quelque chose, c'est votre volonté. C'est ce que vous avez fait vous-même. Quand on dit que permettre. Et si quelqu'un dit que allouer. Celui qui dit allouer maison ou un appartement à louer, il a le pouvoir de louer. C'est pas en vous une maison à louer, on dit à louer, vous êtes allé, que je veux louer la maison là. Que quel est ton nom? Où vis-tu maintenant? Et qu'est-ce que tu fais? Alors, où travailles-tu? Et si tu ne lui as pas donné une bonne réponse, il dit que non, désolé, quoi que vous voyez à louer là-bas, que je ne vais pas te le louer. Il a la liberté. Il a la volonté, il a le pouvoir, il a l'autorité de louer l'appartement ou non. La même chose, vous avez l'autorité, votre corps est votre corps. Personne ne peut vous pousser à laisser votre corps à eux. Et votre esprit est votre esprit. Votre vie vous appartient et personne ne peut vous forcer à laisser votre corps à eux. Si que je ne veux pas le faire, je ne veux pas aller à la direction là. Mais vous savez, ils m'ont forcé. Personne ne fait cela. Personne ne vous forcera à faire le mal au nom de Jésus-Christ. Et ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns s'y livraient de sorte qu'il en tomba. Vous n'allez pas tomber. De sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Vous savez ce que cela dit? Parfois, nous avons les enfants, et les enfants vont à l'école. Et l'examen s'approche, la date est déjà fixée, il reste 2 semaines pour l'examen et l'enfant joue. Mais mon enfant, est-ce que tu ne te prépares pas pour l'examen? Je dis, papa, ne t'en fais pas, je me connais, je connais toutes choses déjà. Et puis, peu de jours à l'examen, mon enfant, et ceci, et cette composition-là, qu'est-ce que tu fais? Papa, tu te gênes de trop, je me connais, alors tu iras bien. Et puis, la nuit, la veille de l'examen, tu vas
à sa chambre, l'enfant surfe l'internet, il n'étudie pas, tu vois, mon enfant. Mais je t'ai dit, et dit, papa, je t'ai dit, ne t'en fais pas, tu vas voir, je reviendrai avec le résultat. D'accord, on va voir. Et finalement, il est allé à l'examen. Alors, il a le questionnaire et il commençait à gratter la tête. Quelques vers 10 maintenant. Après, il a reçu le bulletin. Il est revenu avec vraiment échec. Mon frère, mon petit souci. Et que l'enseignant là, vraiment, il n'est pas bon. Ce n'est pas l'enseignant, c'est toi. Et nous, les parents, n'allons pas faire sur le nom de Jésus-Christ. Il faut te garder. Il faut te ressaisir. Il faut t'éloigner du mal, il faut te fortifier, il faut espérer à l'Éternel. Ceux qui espèrent à l'Éternel renouvellent leur force. Pasteur, ne t'en fais pas, je me connais, c'est dit. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je prie que vous ne tombiez pas. Voyons le verset, voyons le deuxième point ici. C'est l'amour fidèle en s'attachant au Seigneur. Revenons au chapitre 6, verset 15. La première partie dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ, votre corps ?» Sont votre corps, votre corps est un membre de Christ et vos membres s'attachent à vous. Alors, aucun membre ne peut dire que je veux me détacher de ce corps. Je suis avec cette personne, il y a de cela 30 ans, 45 ans maintenant, alors je sers la personne et utilise la main, je veux me détacher, je veux être à moi-même. Les membres de notre corps ne font pas cela. Nous aussi, nous ne devons pas faire cela. Nous nous attachons au Seigneur dans un amour fidèle. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et nous voyons Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Parce que je suis membre de son corps. Il faut le dire avec une bonne nouvelle voix de la nouvelle année. Parce que je suis membre de son corps. Nous sommes membres de son corps. C'est pour que le Seigneur confirme cela de plus en plus dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Nous sommes unis avec lui, nous sommes ensemble avec lui, nous sommes un avec lui. Et rien ne nous séparera du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 2, verset 11. Hébreux 2, verset 11. Car celui qui sanctifie, il nous purifie, il nous lave, il nous épure, il nous purifie. Vous comprenez? Nous sommes l'épouse de Christ. Il est l'époux. Et l'époux, le mari est toujours fier de sa femme. Lorsque sa femme est propre, est juste, est présentable, est conservée pour lui seul. Le Seigneur fait la même chose. Il nous purifie, il nous met à côté, il nous purifie, il nous lave afin que nous soyons totalement, entièrement avec lui et pour lui. Voilà le verset encore 11, car celui qui sanctifie, c'est Christ qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Le Seigneur n'aura pas honte de vous au nom de Jésus-Christ. Voyons le numéro 3 ici, là-bas. C'est la première leçon pour les vainqueurs après la libération. Le Seigneur nous a libérés. Le Seigneur nous a affranchis. Le Seigneur nous a pardonnés. Et nous sommes au Seigneur. Je prie que la réalité de votre libération, que vous montrez cela à tout moment au nom de Jésus-Christ.
Voilà le verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre qu'un homme commette. Quelque autre péché qu'un homme commette. Si quelqu'un commet le péché, c'est lui qui est responsable de commettre ce péché. Ce n'est pas que quelqu'un le force et l'oblige à le faire. C'est la personne même qui fait cela. Par la grâce de Dieu, je sais que vous avez résolu et vous n'allez de ne pas faire le mal. N'allez pas faire le mal. Tout quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, c'est lui qui a commis le crime. Pêche contre son propre corps. Vous n'allez pas pécher contre votre corps au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, je vois des gens en conseillant et que quelque chose va mal et que l'enfant va prendre la lame ou le couteau et va commencer à se lacérer, à se couper. Et les parents ont le souci que personne ne fait cela à l'enfant. Regardez les marques. Cela ne s'est pas passé le jour. L'enfant l'a fait lui-même. Et lorsque quelqu'un fait cela, alors c'est une affaire de temps. Et si cela va au-delà de couper la main, et après, s'il a fini de couper la main, il ira au ventre. Il allait au ventre et cela sera dangereux. N'allez pas vous détruire. N'allez pas vous couper. Vous aurez la dignité d'un véritable enfant de Dieu. Vous aurez la dignité d'une personne qui sait que je suis ici dans la vie et je vais mener une vie heureuse, une vie réussie, une vie dont mes parents seront fiers au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas faire le mal à vous-même. Voyons la première phrase là-bas. Fuyez, le mot là, fuyez. Il y a un temps de fuir. On ne va pas dire qu'on voit quelqu'un vient, que fuis et tu restes là-bas. Tu es au milieu de la voie et tu vois une voiture venir avec vitesse. On crie, quitte là. Tu dis que non, l'homme là qui conduit, il va voir que je suis ici, il va m'éviter. Et s'il ne voit pas bien, et s'il est un ivrogne, et s'il ne pense pas à la vie, et s'il est l'un de ceux qui disent que je m'en fiche de qui que ce soit et qui t'écrase, personne ne vous écrasera. Vous allez fuir. Vous voyez quelque chose de dangereux qui vient, vous voyez une flèche de l'ennemi, et le Seigneur dit que tu as la force, que tu as le fondement de la vie, que tu as l'habileté de quitter là-bas et fuir là-bas, et votre vie sera préservée au nom de Jésus-Christ. On va à Genèse 39. Nous lisons le verset 9. Genèse 39, verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais contre Dieu? Comprenez, voici Joseph. Joseph vivait avec son songe et le songe a été donné des années écoulées et il regardait en haut à ce songe-là que je vais là-bas, quelqu'un là-bas, j'irai là-bas. Quelqu'un là-bas, je serai un réalisateur. Je demande quelqu'un là-bas de répéter cela. Je vais monter la montagne la plus élevée. Je vais atteindre le sommet. Et lorsqu'il est pareil, quelqu'un est venu voudrant faire de lui une serpillière de ses rêves. Quelqu'un veut le terrasser. Moi, je suis un rêveur. Il y a des choses que ceux qui ont des rêves ne font pas. Il y a des gens que les gens qui montent, qui gravissent les montagnes ne font pas. Et il dit que je ne vais pas faire cela. Voilà le verset 12. 12 dit, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi.
il lui laissa son vêtement. Pourquoi? J'attends la couronne. Ce vêtement n'est rien à comparer à la couronne. Si ce vêtement va me terrasser et va me faire perdre la couronne, tu es libre de prendre le vêtement. Je vais retenir la couronne. Vous allez gagner la couronne. Vous allez arriver au ciel. Vous aurez toutes les promesses de Dieu accomplies pour vous. Tout ce que vous êtes né pour accomplir, vous allez les réaliser au nom de Jésus-Christ. Le vêtement, vous allez en acheter une autre, un autre. Quelle que soit la chose qu'on veut ôter de vous et vous renverser, laissez la chose dans l'heure, mais ce vêtement-là, et il a laissé le vêtement, et il s'en était allé. Il est parti, il a fui, il est sorti du danger, du péché, parce qu'il allait au sommet de la montagne. Moi, je parviendrai au sommet de la montagne. Vous y parviendrez. Je dis, vous y arriverez. Mais lorsque quelque chose vient pour vous faire oublier le rêve et vous arrêter d'aller au sommet de la montagne, laissez cela dans leurs mains et fuyez. Lorsque vous arrivez au trône, vous aurez quelque chose de plus grand que ce vêtement au nom de Jésus-Christ. Deuxième Timothée 2:22. Deuxième Timothée chapitre 2 verset 22. Et fuyez les passions, Joseph en a fait. Faites-en aussi. Alors soyez sages. Regardez toujours en haut. Ne permettez pas à un moment de plaisir de vous ôter le paradis éternel. Fuyez les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Je prie que votre cœur demeure pur tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant au troisième point. Troisième point, nous allons voir le rachat de notre corps par le Seigneur. Voyons 1 Corinthiens chapitre 6, nous lisons le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Regardez cela. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous n'avez pas dit Amen. Et si la troisième personne dans le pays va quitter sa maison et va dire, cette nouvelle année, je pense, je vais changer d'hébergement et je pense à là où j'irai, il y a numéro 1, 2, 3, et puis la troisième personne dans le pays vient à vous et il a tout. La personne a tout, la personne ne prendra rien de toi, tout ce dont tu as besoin, il va tout pourvoir. Le Saint-Esprit, on a Dieu le Père, un, on a Dieu le Fils, deux, on a Dieu le Saint-Esprit, trois, la sainteté, la divinité a envoyé le Saint-Esprit demeurer dans votre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous à tout moment, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été racheté à un grand prix. Je suis précieux. Je suis précieux. J'ai été racheté à un grand prix. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On va voir trois choses ici. Sa possession gracieuse de son peuple, il nous possède, il vit en nous, il demeure en nous. La nuit tombante, la nuit compacte, lorsqu'il y a un défi que le pasteur n'est pas là, le pasteur du groupe n'est pas là, le Saint-Esprit est là. Alors il va résoudre ce problème au beau milieu de la nuit. Vous aurez le témoignage le matin au nom de Jésus-Christ. 2. Le grand prix de son rachat. 3. Le privilège glorieux de notre sacerdoce. Numéro 1. La possession gracieuse de son peuple. Qui dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? On va au psaume 4. Psaume
Psaume 4, verset 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Le Seigneur regarde tout le monde dans la famille. Le Seigneur t'a regardé et là t'a vu sauvé, sanctifié. Et puis il vous a pris. Il dit que je te mets à côté. Je t'ai choisi. Je suis mis à part. Vous êtes mis à part au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit que tu es pour moi. Il vous a mis de côté. Il prendra soin de vous. Et l'Éternel entend quand je crie à lui. Verset 5 dit, tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche. Parfois vous êtes étendu là-bas et le sommeil n'est pas venu. Vous êtes là et il y a une mitrailleuse, des pensées vous mitraillent. Et c'est comme on a mis un grand enregistreur dans votre pensée. Et tout ce qu'il disait, que chaque fois que cette année, quelque chose de bon va arriver, il n'y a rien de bon qui arrivera, ceci et cela. Et que c'est dit, si parle en vos cœurs sur votre couche. Faut pas permettre encore à cet enregistreur de dire de mauvaises choses. Vous allez prendre le courage pour dire non. Vous allez commencer à citer les promesses de Dieu. Et si vous avez, sinon, un iPad, oh, vous avez votre Android, vous avez Psaume 91, Psaume 23, Psaume 27, c'est Éphésiens chapitre 6. Vous commencez à lire la Bible, et la chose répète, la chose pour voir, afin que la voix négative qui parle au-dedans de vous s'enfuit au nom de Jésus-Christ. Et c'est dit. Alors, vous méditez, vous parlez dans votre cœur là-bas, et puis que puis taisez-vous. Alors, cette année, ce sera l'année prospère pour vous. Cette année sera l'année glorieuse pour vous. Alors, vous êtes précieux, vous êtes gracieux, et vous êtes la possession du Seigneur. Et le Seigneur prendra soin de vous cette nouvelle année au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant à Ésaïe 43. Verset 21. Ésaïe au chapitre 43, voilà le verset 21. Le peuple que je me suis formé, voilà le peuple. Je vous vois, vous êtes là. Alors, il vous a formé pour lui-même. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alors, vous n'allez pas montrer la maladie, vous n'allez pas montrer la pandémie. Vous n'allez pas publier le découragement, vous n'allez pas publier la dépression, vous n'allez pas publier les problèmes mentaux, vous allez publier les louanges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Allons numéro 2 là-bas, le grand prix de son rachat. Combien vous êtes pressé devant le Seigneur qui vous a acquis et quel prix a-t-il payé pour vous? Il dit que, car c'est dit que, c'est dit que quand vous avez été racheté à un grand prix. 1 Corinthiens 7 verset 23. Car vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne devenez pas esclave des hommes. Il y a des gens qui ont des devoirs sales. Qu'ils ont des responsabilités sales. Les gens ne vont pas appeler leurs enfants à faire ce devoir sale. Ils veulent que les enfants aillent à l'école, que les enfants réussissent dans cette vie. Ils vont aller dans la rue, ils cherchent des gens et ils vont voir une jeune personne là-bas, un adolescent. Viens, tu as fait ceci. Et puis, que cela est dangereux. Je dis que tu vas faire ceci. Que ce soit. Soit pour l'émeute, ou bien pour faire ceci. Si tu meurs comme ça, tu es parti. Mais ils ne vont pas mettre leurs enfants là-bas. Alors vous serez raisonnable pour dire que ce que cet homme, ce qu'il ne va pas donner à ses enfants de faire, et me dit de le faire, je ne vais pas le faire. Je dis, je ne vais pas le faire. Vous voyez, il y a des ouvriers dans des sociétés, voir que celui-ci, lui, c'est mon frère, l'autre là, c'est mon cousin,
à mon neveu, il voudrait faire quelque chose, il veut mettre votre nom là-bas, afin que quand on veut vérifier, quand on veut faire les comptes, qu'on vous trouve que c'est vous qui avez fait ça, qu'on vous attrape, pas vous, parce que vous ne serez jamais pris de telle manière, et la personne sera emprisonnée, vous ne serez pas incarcéré par le monde. Et il s'est dit, ne devenez pas esclaves des gens de ce monde. Ne permettez pas qu'ils vous utilisent comme ils utilisent des fagots de bois et brûlent tout. Lorsque tout est brûlé maintenant, ils vont prendre un autre fagot de bois à brûler. Vous ne serez pas leur fagot de bois au nom de Jésus-Christ. Vous êtes précieux, vous êtes spéciaux, vous êtes spécial. Alors, et vous avez acheté à un grand prix. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Vous n'êtes pas racheté, vous n'êtes pas acquis. Parle des choses périssables, parle de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est ainsi que vous êtes précieux et je prie que vous soyez toujours conscients de combien vous êtes précieux devant le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Voilà le troisième point maintenant, troisième point, le privilège glorieux de notre sacerdoce. Le privilège glorieux de notre sacerdoce. On va 1 Corinthiens 6, nous lisons le verset 20. Car vous avez été racheté à un grand prix, j'ai été racheté à un grand prix, mon frère là-bas a été racheté d'un grand prix, ma soeur, ma fille là-bas a été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre vie va glorifier Dieu. Votre vie honorera Dieu. Vos prières seront exaucées et vont glorifier Dieu. Votre progrès cette année va glorifier Dieu. Votre nouvelle réalisation cette année va glorifier Dieu. Partout où vous allez cette année, vous allez à ce côté, vous verrez la gloire de Dieu là-bas. Vous allez à l'autre côté, vous allez raconter la gloire de Dieu. Toutes les larmes sont essuyées cette année, la joie dans votre vie, le bonheur dans votre vie, la gloire dans votre vie. Cette année, vous serez au sommet de la montagne. Donc, vous allez décider cette année que je sais que je suis enfant de Dieu, je sais que je suis racheté, je sais que je suis sauvé, je sais que j'ai été racheté à un grand prix. Cette année, ma vie va amener gloire au Seigneur. Ou à la personne dont je parle. Tenez-vous debout maintenant pour parler au Seigneur. Tenez-vous debout pour l'accepter. Que voici une nouvelle année. Que votre vie va glorifier le Seigneur. Tenez-vous debout et parlez au Seigneur. Rappelez-vous que nous avons comme titre. Le titre, c'est conserver le corps saint et pur pour Dieu et sa gloire. Conserver le corps saint et puis pour Dieu et sa gloire. C'est notre devoir cette année. Cette année, Dieu va vous donner la grâce abondante. Le Seigneur parle de votre corps. Et si vous déconsidérez votre corps, vous vous mirez disant que je ne m'accepte pas, je ne m'apprécie pas. Il faut t'aimer, il faut t'apprécier. Dieu met l'honneur sur toi. Accepte l'honneur là. Accepte ce rachat. Accepte que tu es précieux devant Dieu. Alors, les bonnes choses t'attendent. Les bonnes choses demeurent dans ta vie. Même cette année, au nom de Jésus-Christ. Que c'est un privilège de parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Le privilège d'appartenir au Seigneur. Le privilège d'être au Seigneur. Et à cause de cela, tu dis au Seigneur que je vais me réprimer de tout ce qui amènera le déshonneur à Dieu. Même s'il faut me sacrifier, je vais le faire. Parce que je sais que mon corps appartient au Seigneur. Votre corps n'est pas pour le mal. Votre corps n'est pas pour le péché. Votre corps n'est pas pour l'iniquité. N'est pas pour tout ce qui va vous dégrader. Tout ce qui va vous mettre dans la boue. Mais vous devez vous lever. Vous devez marcher. Et vous devez chaque fois vous rappeler que ce n'est pas tout ce qu'on vend au marché,
que vous allez mettre dans votre bouche. Ce n'est pas tout ce que vous voyez sur l'internet que vous allez accepter. Ce n'est pas tout ce qui se passe dans la société que vous allez embrasser. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas sous la puissance de quelconque. Alors que rien, aucune habitude ne deviendra une habitude imposante dans votre vie à laquelle vous ne pouvez pas vous détacher. Alors soyez une personne qui mène une vie libre, une vie de grâce, une vie de liberté, une vie affranchie. Comprenez que vous, en tant que soldat de Christ, ce n'est pas toute chose que vous prenez. Sachez que en tant qu'élève, ce n'est pas vous n'allez pas gaspiller votre temps. Vous avez une focalisation, vous avez un but, vous étudiez pour l'examen, vous avez la grâce, vous avez la grâce. Vous dites que tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Vous n'allez pas vous laisser sous la pression de vos pères qui vont dire que il faut oublier papa et maman. Allons jouer de la vie dehors. Oubliez le Seigneur. Oubliez la rétribution du gouvernement. Allons là-bas agir à vivre nous-mêmes. Non. Tu ne peux pas faire cela. Tu es spécial. Tu es enfant de Dieu. Alors, tu es précieux devant Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut te dire à toi-même que je vais me distinguer. Il faut te dire à toi-même que je vais me mettre à part. Il faut te dire à toi-même que je serai distinct, je serai particulier, spécial, afin que je ne me plonge pas dans la dégradation, dans la souillure, comme les autres enfants. Vous êtes enfant de Dieu. En tant qu'adulte, en tant qu'un père, enfant de Dieu, en tant qu'un père, en tant qu'enfant de Dieu, une mère, il y a des choses que vous n'allez pas faire, des discussions que vous n'allez pas tenir entre mari et femme, entre papa et maman, parce que les enfants sont là. Comprenez que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alors, faut pas permettre à une habitude d'être imposante. Ne permettez pas à une habitude de devenir un poids sur vous, en sorte que vous n'arrivez plus à mener une vie positive, une vie glorieuse, une vie gracieuse, une vie qui est vécue, qui est menée pour la gloire de Dieu seul. Il n'y aura pas de fornication. Et c'est dit que les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Et puis dit, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Votre corps n'est pas pour l'impudicité. Votre corps n'est pas pour l'impudence. Votre corps n'est pas pour les imaginations de tout ce qui se passe. Et vous êtes ici par-ci et là, mais vous êtes préservé, vous êtes dignifié, vous êtes honorable devant le Seigneur. Par le Seigneur, je vais me garder, je vais assujettir mon corps, je vais contrôler mes yeux, je vais mettre mon esprit sous contrôle, je vais mettre mes pensées sous contrôle, je vais assujettir ce que je regarde. Je vais mettre tout ce que j'entends sous contrôle et je ne vais pas permettre à quoi que ce soit de me rendre ordinaire, de me rendre commun, de me rendre comme les pécheurs dans le monde. Parce que je sais que j'appartiens au Seigneur et je vais conserver mon corps dans l'honneur, avec respect, en m'apprêtant pour la résurrection. Et vous consolez l'un l'autre, vous consolez les uns les autres, ne découragez personne. Quelqu'un a un grand rêve et il s'élève cette nouvelle année et il dit que j'y vais, que je vais là-bas. Alors il faut déclarer une parole d'encouragement et il faut afficher un acte d'édification à la personne.
Consolez-vous les uns les autres par cette parole. Rappelez-vous, le Seigneur veut vous préserver. Il veut vous préserver. Et comme le Seigneur veut vous préserver vous-même, vous allez vouloir être préservé. Le préserver en tant que croyant pour le Seigneur. Il vous donnera la grâce. Et il a interdit la cupidité. Et le Seigneur interdit le fait de s'attacher au perdu. Séparez-vous de toute habitude. Séparez-vous de toute personne qui a cette influence dégradante sur votre vie. Et soyez fidèles dans votre amour à Christ. Et attachez-vous au Seigneur. Et en toutes choses, et tout ce qui va vous séparer du Seigneur, vous dites, mais je m'en sors. Menez une vie de distinction. Une vie de sainteté. Une vie d'une justice définie et particulière. Une vie qui est totalement séparé des gens du monde. Rappelez-vous la première leçon qu'on a apprise lorsque vous êtes libéré, devez fuir tout ce qui va vous faire tomber, vous fuyez la chose. Tout ce qui va faire vous plonger la face dans la boue, vous fuyez la chose. Tout ce qui va faire que les gens vont dire que, ah, tel frère, telle sœur. Et puis elle est allée à cette dégradation, elle est allée jusqu'à faire cela. Tout ce que les gens vont entendre, ils ne vont pas glorifier Dieu, ils ne vont pas apprécier combien vous êtes précieux en tant qu'enfant de Dieu. Il faut fuir la chose là. Si vous devez laisser le vêtement là dans leurs mains, faut pas vous déranger pour cela. Laissez le vêtement dans leurs mains, vous visez à la couronne. Et cette couronne, vous allez la recevoir. Parlez au Seigneur. Et rappelez-vous que vous ne devez pas murmurer contre ce que vous ne pouvez pas changer. Vous n'allez pas vous plaindre du soleil, de la lune, de la loi de gravité. Lorsque vous ne pouvez pas contrôler les actes des autres, faut pas vous déranger, faut pas vous en déranger. Alors ne permettez pas à votre vie d'être clouée, ne permettez pas à votre vie d'être dérangée à cause des actes des autres que vous ne pouvez pas contrôler. Laissez tout cela, contrôlez vous-même. Et s'il y a quelque chose qui doit vous faire, qui doit vous pousser à vous séparer de la chose là, donc il faut le faire pour que votre vie soit glorieuse, votre vie soit préservée pour le Seigneur. Il faut faire cela. Et demeurer complètement une propriété, une possession du Seigneur. Et sachez-le que vous êtes acquis par le Seigneur. Il vous a racheté à un grand prix. Il vous a acquis avec le sang précieux de Jésus-Christ. Tout comme vous n'achetez rien d'inutile, vous n'achetez rien de mauvais. Donc Dieu sait la valeur de votre vie, l'importance de votre vie. Vous n'êtes pas inutile. Vous n'êtes pas sans valeur. Vous êtes profitable pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur vous a acquis, vous a racheté, il connaît votre futur dès le passé. Il sait ce que vous serez. Regardez ce que Dieu regarde. Et demeurez précieux, précieux, demeurez spécial, demeurez profitable dans les mains de Dieu. Et chaque jour, alors faites un pas en avant. Aujourd'hui sera un pas en avant, un pas en gros dans ma vie.
et le progrès que Dieu veut pour moi. Je fais un autre pas aujourd'hui en allant vers ce but, cette couronne et cette cible. Ne faites aucun pas rétrospectif. Continuez d'aller en avant, toujours en haut, vers le but que le Seigneur a pour votre vie. Et chaque fois, il faut vous rappeler le prix par lequel vous avez été racheté, le sang de Jésus-Christ qui sauve, qui sanctifie, qui épure, qui perfectionne, qui purifie, qui rend saint, qui fait de vous le meilleur dans le royaume de Dieu. Appréciez ce prix du sang de Christ. Et comprenez que maintenant il nous a appelés à un saint sacerdoce. Chaque fois, il faut honorer, il faut glorifier le Seigneur. Sortez du passé et fermez la porte contre le passé. Un nouveau jour, une nouvelle vie, un nouveau privilège, une nouvelle position, une nouvelle possession. Et tout ce que Dieu ordonne pour cette nouvelle année, pour votre vie, vous allez le faire au nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Quelque chose de bon dans votre vie. Quelque chose de grand dans votre vie. L'angoisse de l'année passée est ôtée. La maladie de l'année passée est disparue. Et toutes les manifestations et tout ce que le diable faisait manipuler votre vie dans le passé, ce n'est plus cela cette année. Je vous vois monter, je vous vois aller en haut, et Dieu va mettre le témoignage dans chaque bouche au nom de Jésus-Christ. Où êtes-vous? Levez les mains et acceptez la bénédiction de la nouvelle année. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour tous tes enfants, des enfants précieux. Je prie, Seigneur, pour tous les saints de Dieu, les saints précieux de Dieu, les saints spéciaux de Dieu. Je prie que cette année, toutes les angoisses du passé, les maladies du passé et toutes les blessures du passé, que toutes choses soient ôtées avec l'année passée écoulée au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, comme tu as acquis ton peuple racheté à un grand prix. Ils sont des gens de valeur, profitables devant toi. Je prie que la valeur, le profit que le ciel a mis sur tout le monde demeure là-bas au nom de Jésus-Christ. La marque d'un saint sera sur tout le monde. La marque d'un soldat de Christ sera sur tout le monde. L'uniforme d'un réalisateur sera sur tout le monde. Et je prie, Seigneur, que toutes les promesses de Dieu pour cette nouvelle année soient oui et amen dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Toutes les chansons négatives de l'année passée, je n'ai jamais réussi, je vais en haut, je vais en bas, on me met en bas, ma vie n'est pas dans ma main, il me manipule. Seigneur, je prie que tu prends chaque vie de la main de ceux qui les manipulent au nom de Jésus-Christ. Satan ne va pas vous manipuler. Les pécheurs ne vont pas vous manipuler. Et quel que soit ce que quelqu'un a en vue pour vous terrasser, à Dieu ne plaise pas, cela ne va pas se passer au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que toutes les souillures du passé, les saletés du passé, les faiblesses du passé, les oppressions du passé, les choses qui nous ont poussés en bas dans le passé, ôtez tout cela cette année au nom de Jésus-Christ. Tout père ici sera un père réussi.
Toute mère ici sera une mère réussie. Chaque fils ici sera un fils réussi. Chaque fille ici sera une fille réussie. Nos élèves seront excellents. Vous allez retourner à la maison, vous allez étudier, vous allez vous préparer. Le Seigneur sera avec vous et vous serez au sommet de la montagne de réalisateur. En tant qu'élève, vous serez là au nom de Jésus-Christ. Chaque personne qui exerce sa profession, ce qui vous a échoué dans le passé, que ce soit la procrastination ou la paresse, vous ne prenez pas l'initiative, vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous ne travaillez pas avec dignité. Seigneur, tous ces revers, ôte cela au nom de Jésus-Christ. La pandémie ne va pas empêcher votre progrès. La COVID-19 n'empêchera pas votre progrès. Et quel que soit le vent qui souffle dans la communauté, cela n'empêchera pas votre progrès au nom de Jésus-Christ. Dieu a une couronne dans le rêve de Joseph. Et tout ce qui s'est passé, rien n'a empêché ce progrès. Le Seigneur va vous distinguer cette année. Et tout ce que le diable pensait faire pour vous terrasser, toute chose est supprimée au nom de Jésus-Christ. Comme vous coopérez avec le Père Céleste, comme vous coopérez avec Jésus-Christ, votre Sauveur Rédempteur, quand vous coopérez avec le Saint-Esprit qui demeure et habite en vous, vous allez aller des lieux. Vous allez faire des choses merveilleuses. Votre vie amènera gloire à Dieu à chaque moment sur la voie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis tout le monde. Alors, donne la bénédiction à tout le monde et que tout le monde rende le ciel heureux et que nous glorifions le Seigneur. Le Seigneur sera présent avec vous. Et rien ne vous arrivera qui n'ait pas de solution. La solution à tout problème de votre vie. Nous te remercions, Père, parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Donnez un amen de la nouvelle année au Seigneur.